Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté. Ma vie. Oh Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Trop de souffrance, Yahweh. Je touche ton vêtement. Laisse
Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Merci pour ta gloire dans ma vie, Seigneur. Merci car tu ne me te laisseras pas et tu ne m'abandonneras pas. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et l'émission de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, la grande famille internationale, que la paix du Seigneur soit réellement votre partage pour ce midi, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, est-ce qu'on peut réellement acclamer le Seigneur ce matin, ce midi, pardon, alléluia, nous bénissons le Seigneur pour ce midi. Gloire à Dieu, shalom, shalom, shalom à toute la famille, je suis dans la joie de vous retrouver encore pour ce midi. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de la part du Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit réellement dans votre cœur, dans votre vie, dans votre pensée. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes à notre rendez-vous, alléluia, de tout le jeudi à partir de midi, midi 30, midi 20. Nous cherchons la face de Dieu. Nous voulons encore, au fait, actualiser ou valider, alléluia, notre foi. Amen. Booster notre foi par la parole de Dieu. Être toujours prudent parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure où l'Éternel Dieu va sonner la trompette pour que cela soit le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Avant que nous puissions commencer, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Réchalom à tout le monde. Réchalom aux enfants obéissants. Réchalom aux enfants bien-aimés de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et nous allons commencer ces temps. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'espère que tu seras béni et j'espère que nous serons tous bénis par la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur pour recommander ces temps entre les mains de Dieu. Éternel des armées, notre Père, nous te bénissons ce midi, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons encore parce que Seigneur, nous voyons le soleil qui est en train de briller, nous voyons Seigneur ton amour qui est en train Seigneur de nous donner la force d'être Seigneur dans ta présence. Que toute la gloire te soit rendue, ô Dieu. Nous te bénissons ce midi parce que, Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes au-dedans de tous nos cœurs. Éternel Dieu, reçois l'honneur qui t'est dû. Nous voulons commencer ce moment avec toi et finir aussi avec toi. Nous voulons cheminer avec ton Esprit Saint et que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux spirituels, l'entendement spirituel, la compréhension dans les noms de Jésus. Tous ceux qui ne sont pas de toi maintenant soit ôté dans le nom de Jésus. Tout ce qui est Seigneur de gloire de la chair, tout ce qui est du péché, Seigneur, tout ce qui est Seigneur du monde des ténèbres, soit maintenant Seigneur de gloire, Père, anéanti par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta victoire, nous proclamons, Seigneur, ô Dieu, ta parole dans nos vies, que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons si prié.
avec action de grâce. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous acclamons les seigneurs des armées. Alléluia. Gloire à l'agneau ce midi. Alors, frères et sœurs, notre thème, alléluia, d'aujourd'hui, c'est « Achète ton billet maintenant ». Achète ton billet maintenant. Frères et sœurs, achète ton billet maintenant. Est-ce que nous pouvons écrire « Alléluia, j'achète mon billet maintenant ». Alléluia, j'achète mon billet maintenant. Achète ton billet maintenant ou j'achète mon billet maintenant. Alléluia, achète ton billet. Oui, tu dois acheter un billet qui coûte réellement, alléluia, moins cher. Un billet qui n'a pas de prix, alléluia, alléluia, qui n'a pas de prix selon la valeur du monde. Amen. Le billet qui coûte réellement un prix réellement raisonnable. Nous allons, frères et sœurs, directement plonger dans les Écritures de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole de Dieu pour ce midi et puis nous allons prier le Seigneur. À chaque fois, nous devons comprendre que nous devons nous préparer davantage. C'est achète ton billet, cela veut dire prépare-toi. Achète ton billet, c'est-à-dire sois prêt parce que tu ne sais ni le jour, ni l'heure où la trompette va réellement sonner. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe, alléluia, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 55. Si nous avons nos Bibles, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Normalement, je vais continuer jusqu'au verset 3. Mais vous allez voir juste au verset 2 parce que c'est déjà planifié. Alléluia, je vais mettre ça sur l'écran. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, voici donc le verset qui est affiché sur l'écran. Je lis la parole de Dieu ce midi. Amen, amen, amen. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi ? Pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Parole du Seigneur. Et je continue au verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durablement mes faveurs envers David. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Éternel des armées, notre roi, notre socle, nous te bénissons ce midi. Nous te couronnons, Seigneur, et que cette parole soit réellement, Seigneur, dans notre cœur et que nous puissions réellement la méditer matin, midi et soir, tous les jours de nos vies, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à pouvoir, Seigneur, décortiquer cette parole et que cette parole puisse engendrer réellement un bon résultat, la foi audacieuse, l'assurance, Seigneur, ô Dieu, la détermination, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons si prié. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Avant que nous puissions commencer à prier, je vais vous mettre une petite chanson en détente. Alléluia. Mon âme chante, alléluia.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, soyez bénis, alléluia, gloire au Seigneur. Amen, 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 que le nom du Seigneur soit béni. Alors, frères et sœurs, nous venons de lire ce passage merveilleux, amen. Venez, alléluia, venez aux eaux, c'est-à-dire vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia, venez aux eaux, c'est-à-dire Dieu nous donne le salut gratuitement. En ce moment où nous vivons, en ce moment où nous sommes encore en vie, en ce moment encore où nous sommes sur la terre des hommes, frères et sœurs, nous devons acheter réellement notre billet. Nous devons acheter notre billet maintenant. Quand je dis maintenant, c'est-à-dire il ne faut pas rendre, alléluia, les choses de Dieu pour demain, pour le lendemain, parce que le lendemain ne t'appartient absolument pas. Amen. Gloire à Dieu, tu dois acheter le billet aujourd'hui. Tu peux acheter aujourd'hui parce que Dieu te donne le temps. Parce que ton lendemain, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas demain quelle sera la journée. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, il nous dit dans sa parole, dans le livre de Ésaïe, au verset 5, au chapitre 55, à partir du verset 1er, il dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. C'est lui, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Alléluia. Il dit, pourquoi dépensez-vous de l'argent? Pourquoi dépensez-vous de l'argent dans des choses qui ne nourrissent pas? C'est-à-dire, pourquoi gaspiller l'argent? Pourquoi gaspiller votre temps aux choses qui ne rassasient absolument pas, frères et sœurs? Des choses qui ne rassasient pas, c'est quoi, frères et sœurs? C'est les choses du monde, c'est le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est des choses que l'Éternel n'agrée pas. Amen. Alors, frères et sœurs, nous devons comprendre que nous allons absolument avoir notre billet. C'est comme quelqu'un qui veut voyager. Frères et sœurs, avant que tu puisses voyager, il faudra que tu puisses montrer ton billet. Alléluia. Sur la piste d'embarquement, tu dois montrer ton billet pour montrer que non, j'ai tout payé afin que je puisse accéder dans l'avion. De la même manière, frères et sœurs, ici, il ne s'agit pas le billet physique. Ici, il ne s'agit pas le billet, mais bien aimé dans le Seigneur, d'un avion quelconque. Mais il s'agit d'un billet, alléluia, d'un avion spirituel, c'est-à-dire d'un enlèvement, alléluia, du retour du Seigneur que je dois avoir réellement, je dois avoir la foi en moi, je dois comprendre, je dois travailler pour mon salut. Il s'agit donc de mon salut, je dois avoir le salut, parce que celui qui n'a pas le salut, frères et sœurs, il ne verra pas la gloire de Dieu, il ne peut pas hériter le royaume céleste. C'est pour cela, lorsque nous lisons, frères et sœurs, nous lisons la parole de Dieu, il dit venez, c'est-à-dire il donne, il fait l'appel à tout le monde, venez chez moi. Mes frères et sœurs, vous allez comprendre, il s'agit donc d'un billet, mais ici, frères et sœurs, quand nous lisons, nous voyons, ce n'est pas un guichet qui vend plutôt les billets. C'est la source qui vend le billet. Oh my God. C'est la source qui vend le billet. Ce n'est pas un guichet. Ce n'est pas un bureau. Mais c'est la source qui vend les billets, frères et sœurs. La source, c'est quoi? C'est la source de vie. C'est la parole. Il dit, venez simplement aux eaux. Venez aux eaux. C'est là où que tu vas acheter. Aux eaux, c'est la parole de Dieu. Rentre dans l'intimité avec Dieu. Vis la parole de Dieu en soi, frères et sœurs. Amen, amen. Alléluia, c'est différent ces billets, c'est différent du monde, c'est différent, alléluia, des billets qu'on achète dans une agence de voyage. Frères et sœurs, il s'agit donc de la source de vie. La source de vie, c'est la parole de Dieu. Tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Tu dois avoir la parole, car c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui donne le salut. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas un distributeur que tu dois acheter ton billet, c'est tu dois aller à la source, à la parole de Dieu. Et lorsque nous voyons aussi, mes frères et sœurs, dans Ésaïe au verset chapitre 40, au verset 8, la Bible déclare, je commence au verset 7 pour arriver au verset 8, la Bible déclare, l'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe.
L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. En d'autres termes, frères et sœurs, pour dire, le biais du monde peut finir, on peut avoir, périmé, voilà, peut être périmé, frères et sœurs, ça peut finir, ça peut passer, mais le biais de Dieu, frères et sœurs, quand tu l'as, c'est renouvelable, le sang de l'agneau va renouveler cela, lorsque tu tombes, lorsque tu demandes pardon à Dieu, le sang de l'agneau te couvre, le sang de l'agneau renouvelle ton biais, c'est pour cela, il dit ici, l'herbe sèche et la fleur tombe, frères et sœurs, la fleur va tomber, nous sommes comme des fleurs, nous sommes des passagers, si nous arrivons à travailler pour notre retraite, pour notre avenir, l'avenir de mes enfants, je vais mettre des épargnes à côté pour mes enfants, c'est bien, ce n'est pas mauvais, mais tu dois comprendre, tu dois comprendre que je dois d'abord acheter le billet spirituel, le billet de Dieu, le billet de mon salut, le billet qui ne coûte rien du tout. Il dit, tu vas rien payer, tu vas rien donner, simplement frères et sœurs, la chose que tu vas faire, tu dois aller, c'est-à-dire je dois accepter de prendre la décision d'aller dans la source de la parole. Amen. Je dois aller dans la source pour pouvoir acquérir mon billet. Il dit, venez acheter et manger. Et dans ces billets, frères et sœurs, pendant que tu es sur la terre des hommes, tu vas pouvoir manger, tu dois pouvoir s'habiller, tu dois pouvoir, alléluia, boire, tu vas pouvoir boire du lait. Pourquoi? Parce que le billet là te donne l'accès de pouvoir gagner, de pouvoir marcher, de pouvoir vivre réellement. Alléluia, dans cette vie que nous menons. Alléluia. Il dit ceci, frères et sœurs. Prêtez l'oreille et venez à moi. Votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durablement, alléluia, mes faveurs envers David. Frères et sœurs, quand on parle de David, on parle de toi. Amen. Tu es, alléluia, un peuple davidique. N'oublie pas, frères et sœurs. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Il nous faut le sang de l'agneau. Il nous faut le sang précieux de Jésus. Il nous faut le sang de l'agneau. Alléluia. Il nous faut le sang précieux de Jésus. Il nous faut le sang de l'agneau pour que nous puissions réellement, alléluia, hériter, garder notre billet convenablement. Parce que l'heure est déjà, alléluia, l'heure est déjà avancée. Nous sommes dans le temps de la nuit. Amen. Et bientôt, le jour va apparaître. Le jour, c'est le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, as-tu ton billet? Est-ce que tu as ton billet? As-tu ton billet ce midi? As-tu ton billet ce midi? Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as ton billet? Est-ce que ton billet est déjà périmé? Est-ce que ton billet est déjà dévalorisé? Où ton billet est encore en actualité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna, hosanna, hosanna. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, la parole de Dieu déclare, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Et l'âme qui pêche, nous savons que c'est celle qui vraiment mourra. Alléluia. Nous devons vivre, nous devons aller, nous devons prendre la décision de chercher Dieu, de chercher là où il y a la source de l'eau de vie, là où il y a la source de l'eau de vie. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna, hosanna, hosanna. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare, l'herbe sèche, alléluia, et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste ou demeure éternellement. Frères et sœurs, ton billet, ce n'est pas un prix que tu vas payer avec de l'argent du monde. Non, frères et sœurs, mais tu dois être réellement
correcte vis-à-vis de Dieu. Tu dois être dans la crainte de l'Éternel. Il s'agit donc de la crainte de l'Éternel. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Tu dois marcher selon Dieu. Il dit ici, lorsque tu viens aux eaux, frères et sœurs, même si tu avais soif, tu n'auras plus soif. Pourquoi? Parce que tu seras réellement étanché de soif. Amen. Dieu va s'occuper de toi. Sa parole va te donner la vie. Amen, amen, amen. C'est pour cela, il ne faut pas porter un regard inquiet. Il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas regarder qu'est-ce que je dois manger pour demain. Quel sera, alléluia, mon avenir. Mon frère, ma soeur, dès lors que tu as ces billets-là, frères et soeurs, tu vas manger, alléluia, à ton appétit. Tu vas manger et tu vas boire du vin et du lait. Tu ne seras pas, alléluia, dans le manque. C'est pour cela, frères et soeurs. Le retour du Seigneur est proche. Nous devons chercher l'Éternel Dieu. Lorsque tu tombes, frères et sœurs, ne faut pas hésiter à demander le sang de l'agneau. Car c'est le sang de l'agneau qui va faire en sorte que ton billet soit toujours valable. Amen, amen. Cela n'est pas dit que non, tu dois toujours tomber dans le péché. Mais tu dois, frères et sœurs, faire attention. Faire attention, c'est-à-dire, tu dois mettre des garde-fous tout autour de toi. À chaque fois, tu dois chercher la face de Dieu. À chaque fois, tu vas regarder, est-ce que je suis dans la source de Dieu? Est-ce que je suis dans la parole de Dieu? C'est que je suis en train de faire. Est-ce que Dieu valide cela? Frères et sœurs, en faisant cela, tu es en train de mettre des garde-fous tout autour de toi. Et l'air a sonné où l'Éternel Dieu va venir. L'Éternel Dieu va sonner la trompette pour que Jésus-Christ puisse retourner, alléluia, pour prendre ses élus. Nous devons prier le Seigneur, frères et sœurs, pour que nous puissions garder notre billet, pour que nous puissions avoir ces billets. Frères et sœurs, ces billets, c'est comme un visa. Alléluia, c'est comme un visa spirituel, c'est-à-dire la foi. Tu dois avoir la foi pour être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous devons comprendre cela. Nous devons maximiser le temps. Frères et sœurs, il ne faut pas dire, ah, c'est fini. Voilà, moi, je veux faire ma vie. Moi, c'est ma vie privée. Non, il n'y a pas de vie privée. Tu dois simplement aller aux eaux. Et quand tu vas aller aux eaux, lui-même va s'occuper de toi. Même si tu n'as pas d'argent. En d'autres termes, même si tu sens que non, ah non, moi, mon péché là, non, je ne pense pas que Dieu va me pardonner. Le mal que j'ai commis là, je ne pense pas. Non, il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ici, il nous montre, il dit, venez, même celui qui n'a pas d'argent, toi qui penses que non, ah non, j'ai commis trop de mal, j'ai avorté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais dès lors, tu entends la parole de Dieu, cours vite dans la source de vie. La source de vie, c'est la parole. Parce que Dieu t'étend la main pour que tu sois sauvé. Afin que tu puisses acheter ton billet maintenant. Afin que tu puisses avoir l'accès de pouvoir accéder dans le trône de la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, frères et sœurs, le distributeur de Dieu, ça, alléluia, c'est différent. L'agence de Dieu, c'est différent. C'est la source de l'eau vive. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous devons comprendre que si nous travaillons pour notre lendemain, pour notre retraite, pour notre avenir, nous devons aussi travailler pour le retour du Seigneur. Parce que très bientôt, alléluia, Jésus-Christ va venir. La trompette réellement va sonner. Et quand la trompette va sonner, ça sera trop tard. Quand tu n'as pas ton billet à la main, quand tu n'as pas le salut en toi, quand il y a tout est réellement dans le chaos, frères et sœurs, parce que c'est le moment de pouvoir aller dans la source, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la source. En fait, dans la source, il y a toujours la provision. Il y a toujours à donner aux autres. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce midi. Gloire à Dieu, nous allons prier le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors ce midi, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons faire une prière. Frères et sœurs, regarde, pose-toi la question. Est-ce que je possède mon billet? Est-ce que j'ai toujours mon billet? Ou mon billet est maintenant dévalorisé? Ou alors mon billet est perdu? Peut-être tu as perdu ton billet.
Alléluia, à cause du péché, à cause de la colère. Depuis longtemps que tu gardes la colère, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, tu gardes la colère. Ou encore, tu as un esprit de vol, tu voles des choses, des gens. On te prête quelque chose, soit l'argent, tu ne veux pas rendre. Ah, mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est du vol. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question, est-ce que je possède toujours mon billet? Alléluia, parce que Christ, quand va venir, frères et sœurs, ça sera comme un clin d'œil. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors tous ensemble, nous allons d'abord prendre conscience. Nous allons pas aller vite, nous allons prendre conscience. Pose-toi la question, est-ce que tu possèdes ton billet? Alléluia, est-ce que tu es dans la source? Est-ce que tu as entendu sa parole? Est-ce que tu gardes ton billet jalousement? Est-ce que ton billet, peut-être tu l'as abandonné quelque part? Tu as abandonné peut-être ton billet à l'hôtel? Tu as abandonné ton billet peut-être, alléluia, dans un bar, dans un café? Tu as abandonné peut-être ton billet, alléluia, peut-être dans un tabac? Toi-même, tu sais. Rentre en toi, fais l'examen de conscience. Alléluia. Comme l'enfant prodigue, la Bible déclare, étant rentré en lui, il a résolu dans son cœur, je dois retourner vers mon père, je dois demander pardon pour dire que non, ce que je fais, ce n'était pas bien, et je vais lui dire de me traiter comme l'un de ses serviteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous allons prendre un temps, alléluia, de réflexion ce midi. Alléluia, riba shayandera bosha. Alléluia, Seigneur de gloire. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, oh oui, oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, après avoir réfléchi, après avoir rentré dans ton esprit, dans ta conscience, tu vas pouvoir demander pardon à Dieu. Alléluia, parce que dans sa parole, alléluia, est claire et nette. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alors ce midi, frères et sœurs, nous allons demander pardon à Dieu. Parce que nous tous, nous avons soif. La Bible déclare, tous ont péché, sont privés de sa gloire. Mes frères et sœurs, alléluia, nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, tu montres que tu as soif de Dieu. Tu as besoin d'avoir, alléluia, ces billets entre tes mains. Alléluia, nous allons prier le Seigneur, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur, demandons pardon. Frères et sœurs, peut-être ton billet est déchiré en deux morceaux. Peut-être ton billet est coupé. Peut-être ton billet, on ne voit plus le nom. Alléluia, on ne voit plus la destination. Frères et sœurs, nous allons demander pardon. Prions le Seigneur. Éternel, je viens à toi ce midi. Éternel, je m'abandonne à toi ce midi, Seigneur. Je veux que, Seigneur, que tu puisses me pardonner. Oui, Seigneur, quand je réalise, quand je réfléchis, quand je rentre en moi-même, Seigneur, je vois, Seigneur de gloire, Père, mon billet est en train, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, Père, de se déchirer, Seigneur. Mon billet est en train, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, Père, de se volatiliser. Je te prie ce midi, Seigneur, Dieu de gloire, de me pardonner, Seigneur, à cause de mes faiblesses, à cause, Seigneur, de mes péchés, à cause, Seigneur de gloire, de mes manquements, à cause, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, de mes transgressions, Seigneur. Je te prie ce midi, oh Dieu de gloire, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi ce midi et que tu me pardonnes, Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, oui, Seigneur, quand tu viendras, Seigneur, tu vas chercher, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, tes élus. Tu vas chercher, Seigneur, ceux qui marchaient dans la nouveauté de vie, ceux qui tenaient leur billet, Seigneur de gloire, Père, à chaque moment, Seigneur, ceux qui étaient, Seigneur de gloire, Père, dans ta présence. Je te prie ce midi, oh Dieu,
Pardonne ma maison, pardonne-moi Seigneur. Il s'agit donc de moi, Père, parce que le salut est individuel. Le salut, Seigneur, quoi, est personnel. Je te prie ce midi, Seigneur, de me pardonner. Pardonne mon cœur, pardonne ma vie ce midi. Tendre Père, je viens ce midi, Père, pour dire, vois mon billet, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de ce billet. J'ai besoin, Seigneur, de quoi, Père, de posséder, Seigneur, ce billet maintenant, pas demain, parce que le lendemain ne m'appartient pas. Je te prie ce midi, Seigneur, de te demander pardon, de te demander, Seigneur, ton amour, de te demander, Seigneur, de quoi, Père, ta bonté dans ma vie, dans les noms de Jésus. Pardonne mon cœur, pardonne mes péchés, Seigneur. Ne compte pas mes péchés, Seigneur, mais enlève mes péchés, Seigneur de gloire. Ne compte pas mes mal, Seigneur, mais enlève le mal à moi, Seigneur. Je t'en prie ce midi dans les noms de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Dieu véritable. Alléluia. Frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure que à chaque fois, pour que tu puisses recevoir ton billet, il te faut le sang de l'agneau. Il faut que le sang de l'agneau te purifie. Alors nous allons demander le sang de l'agneau de nous purifier de tout mal, de tout péché. Que cela puisse nous sanctifier davantage. Afin que nous puissions posséder le billet entre nos mains, prions le Seigneur. Éternel des armées, je viens à toi ce midi. Seigneur, je veux que le sang de l'agneau me lave ce midi. Je veux que le sang de l'agneau me purifie ce midi, ô tendre Père. Sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Je te prie ce midi, ô tendre Père, de me purifier davantage, de me sanctifier davantage, afin que je puisse posséder mon billet entre mes mains. Je te prie ce midi, Seigneur, car je sais que le sang de l'agneau est capable de nettoyer tout mal, tout péché dans mon cœur. Purifie-moi ce midi, lave-moi ce midi, ô Dieu, et que je sois purifié et que je sois lavé, Seigneur, pour le mal, pour le péché, pour les crimes, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu. Ô Père éternel, je t'en prie ce midi. Que je sois nettoyé, que je sois lavé. Oui, je veux être lavé. Je veux être purifié parce que tu m'as dit de venir aux eaux. Je viens ce midi, Père, et que tu me laves par ton sang précieux, par le sang de ton Fils et Jésus. Et que je sois purifié, et que je sois lavé, et que je sois nettoyé, et que je sois réellement, alléluia, restauré, afin que je puisse posséder mon billet, alléluia, d'embarquement. Et que je puisse posséder ce billet, alléluia, qui me valorise mon salut. Je te prie ce midi, tendre Père, que je sois purifié. Purifie mon cœur, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mes yeux, purifie mes mains, purifie ma bouche, ma façon d'agir, ma façon de parler, et que je sois purifié davantage dans les noms de Jésus. Par le sang précieux, oh le sang sans tache, le sang, oh le sang de l'agneau, le sang qui nous guérit, le sang qui nous purifie. Ah, ce midi, je viens Père, et que je sois purifié davantage dans les noms de Jésus, de maintenant et à jamais, que le sang de l'agneau me sanctifie corps et âme dans les noms de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. À présent, nous allons demander. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, alléluia. Oh, Saint-Esprit, donne-moi l'attention, alléluia, de ne pas faire du mal. C'est-à-dire, tu vas dire au Saint-Esprit, alléluia, donne-moi la capacité de pouvoir et de connaître le mal, de pouvoir savoir le danger. Alléluia. Tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi la capacité de pouvoir voir là où il y a le danger, là où il y a le mal, afin que je puisse sauter, afin que je puisse passer outre, pour que je puisse garder mon billet convenablement au nom de Jésus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui est notre gage, c'est le Saint-Esprit qui est notre consolateur, c'est le Saint-Esprit qui intercède au-dedans de nous
nous par des soupirs inexprimables. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô Saint-Esprit, je t'en prie ce midi, donne-moi la capacité de voir là où il y a le danger, là où il y a le mal, là où il y a le péché, afin que je puisse passer outre, pour que je puisse garder mon billet convenablement, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, toi qui veilles dans mon cœur, Saint-Esprit, toi qui intercèdes dans mon cœur, Saint-Esprit, toi qui me conduis, Saint-Esprit, je veux ce midi, et que tu me donnes la capacité de voir là où il y a le danger, de comprendre, de discerner là où il y a le mal, là où il y a les fautes, afin que je puisse passer outre, dans les noms de Jésus. Oh, ce midi, Saint-Esprit, toi qui veilles, toi qui connais, toi qui sondes le cœur de ma vie, toi qui me donnes la capacité, donne-moi, oh, alléluia, que je puisse voir le mal et que je puisse s'enfuir au nom de Jésus. Parce qu'il est dit dans ta parole, l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en détourne. Je t'en prie ce midi, Saint-Esprit de Dieu, veille à mon âme, veille à mon esprit et que je puisse voir là où il y a le ténèbre, là où il y a le mal et que je puisse passer outre au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je t'en prie ce midi, veille au-dedans de mon cœur et donne-moi la possibilité, la capacité de pouvoir détecter le mal, de pouvoir comprendre, ça c'est la voix du voleur, ça c'est la voix de l'ennemi. Je t'en prie, Saint-Esprit, toi qui sondes mon cœur, toi qui sondes mon âme, je t'en prie ce midi, je vais posséder entre mes mains le billet du salut. Je vais posséder entre mes mains le billet, alléluia, qui me valorise pour accéder au trône de la gloire, au nom puissant de Jésus. Je t'en prie ce midi. Je t'en prie ce midi, Saint-Esprit, veille ce midi. Donne-moi la capacité de voir là où il y a le danger, de voir là où il y a le mal et que je puisse passer outre au nom puissant de Jésus et que je ne puisse pas céder au mal, au pillage, au nom de Jésus, au vol, oh, à la fornication, oh, à l'abomination, à la tentation. Je t'en prie ce midi, Saint-Esprit, veille à mon cœur, veille à ma vie ce midi, au nom de Jésus et que je puisse posséder l'œil d'un aigle. Oh, je t'en prie ce midi, Saint-Esprit de Dieu, je vais posséder mon billet entre mes mains. Je vais posséder mon billet maintenant. Alors, je t'en prie ce midi, donne-moi un œil de l'aigle et donne-moi le discerneur le plus absolu au nom puissant de Jésus. Je prends soin de ta capacité ce midi dans les noms de Jésus, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Alors, nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ce midi. Frères et sœurs, tu vas demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide mon cœur. Aide ma vie. Aide-moi à demeurer aux eaux, alléluia, aux eaux de la vie, c'est-à-dire à la source de la vie. Aide mon cœur à demeurer à la source de la vie. Frères et sœurs, la source de la vie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux demeurer dans la source de la vie. Je veux demeurer à la source de la vie et aide mon cœur, aide ma vie à pouvoir demeurer dans la source. Frères et sœurs, quand tu es dans la source, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir boire du lait, tu vas pouvoir rien payer. Alléluia, prions le Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons ce midi que tu puisses réaliser des grandes choses dans ma vie. Je veux ce midi que je puisse être dans la source, oh, dans la source de l'eau vive, dans la source des eaux. Oh, je te prie ce midi, Saint-Esprit de Dieu, je veux que mes pensées, je veux que mon âme, mon esprit, tout ce qui est à moi, soit dans la source, dans la parole de Dieu et que je puisse vivre, oh, alléluia, oh, la richesse et que je puisse vivre l'abondance. Cette abondance, Seigneur de gloire, c'est une abondance de la parole et que la parole soit imprégnée à l'intérieur de moi et que la parole de Dieu soit méditée matin, midi et soir dans mon esprit, dans mon cœur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, et que je puisse demeurer dans la source. J'ai besoin de toi ce midi et que je demeure dans la source d'intarissable et que je demeure dans la source royale et que je demeure dans la source de Dieu, dans la parole de Dieu, parce qu'il est dit dans la source de Dieu, je vais manger, parce qu'il est dit dans la source de Dieu, je vais pouvoir
payer sans argent. Je vais pouvoir acheter sans argent. Je vais pouvoir boire du lait. Je vais pouvoir boire du vin. Je te prie ce midi, Saint-Esprit de Dieu, je te prie ce midi, aide mon cœur, aide ma vie à demeurer dans la source, à demeurer dans la source, afin que je sois, oh, capable de toute bonne œuvre dans le nom de Jésus, de maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a laissé un acompte. Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons vraiment prier que le Saint-Esprit puisse nous aider. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi ce midi. Aide-moi ce midi. Là, au fait, Saint-Esprit, aide-moi ce midi de ne pas demeurer dans le péché, de ne pas demeurer ailleurs, de ne pas demeurer dans le mal, que je ne puisse pas dormir avec la colère, que je ne puisse pas dormir avec la saleté. Oh, Saint-Esprit, aide-moi et que je sois toujours propre devant ta présence dans le nom de Jésus. Alléluia. Commence à dire au Saint-Esprit d'enlever les mauvaises choses en toi, les choses qui te bloquent, les choses qui ne font pas la volonté de Dieu en toi, soient écartées dans ta vie. Prions le Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, alors que nous venons devant toi ce midi, nous voulons réellement acheter nos billets maintenant. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je te prie ce midi, commence à veiller à mon âme, commence à diriger mon âme, commence à me montrer là où il y a des défauts et que je puisse arranger. Commence à enlever les mauvaises choses à moi, les choses, la colère, et que je ne puisse pas avoir la colère, et que je ne puisse pas avoir des choses désagréables. Je t'en prie, Saint-Esprit, toi qui connais mon cœur, toi qui connais ma vie, toi qui me donne la capacité de pouvoir, oh, alléluia, aller de l'avant. Je t'en prie ce midi, Saint-Esprit, commence à faire un nettoyage. Commence à faire ton travail au-dedans de moi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais ma vie, oh Dieu, je te prie ce midi, je vais posséder mon billet. Je vais posséder mon billet. Saint-Esprit, je t'en prie ce midi, toi qui sonnes le cœur de ma vie, enlève les mauvaises choses qui peut empêcher mon billet, qui peut empêcher mon salut, qui peut empêcher ma marche avec Dieu, qui peut empêcher, oh alléluia, la sainteté dans ma vie. Je t'en prie ce midi, Saint-Esprit, aide-moi à demeurer dans la source, à demeurer, alléluia, dans la plénitude de Dieu. Je t'en prie, Saint-Esprit, viens ce midi, Saint-Esprit, viens ce midi, je t'en prie ce midi, commence à enlever tout ce qui ronge, tout ce qui dérange mon avancée, tout ce qui dérange ma percée, tout ce qui dérange mon intimité avec Dieu, la colère, l'alcool, le tabac, oh l'angoisse, oh je te prie ce midi, Saint-Esprit, toi qui intercèdes au-dedans de mon cœur, au-dedans de ma vie, aide-moi ce midi, il s'agit donc de toi ce midi, aide-moi ce midi, Saint-Esprit, et que je ne sois pas en colère, et que je ne sois pas dans le vol, et que je ne sois pas dans le mensonge, et que je ne sois pas dans la cupidité, et que je ne sois pas dans le vol, et que je ne sois pas, Seigneur, de gloire, paix dans les choses, Seigneur, ça et là. Je t'en prie ce midi, Saint-Esprit, je veux que tu écartes au-dedans de moi, oh, tous ceux qui ne sont pas de toi, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais. Oh, Saint-Esprit, je veux ce midi et que tu puisses réaliser et que je sois capable de pouvoir manger avec appétit, manger avec faim dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je veux ta plénitude ce midi dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier le Seigneur. Donc, il s'agit donc de notre salut. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme, mes bien-aimés, une lampe tempête. Je prends l'exemple d'une lampe tempête. Une lampe tempête, mes frères et sœurs, qui n'a pas été utilisée des années, des mois et des mois. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des poussières tout autour. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin de l'Esprit Saint et que notre lampe soit réellement propre.
à que notre cœur soit propre et que notre état d'âme soit propre. Alors tu vas parler au Saint-Esprit, tu vas dire au Saint-Esprit ce midi, alléluia, tu vas dire au Saint-Esprit ce midi, au Saint-Esprit, je n'ai pas d'argent pour pouvoir acheter, mais je veux ce midi, fais-moi rassasier, rassasie mon cœur par la sainteté, rassasie mon âme par la sainteté au nom puissant de Jésus, et que ta vie soit remplie de la sainteté de Dieu, et que ton cœur soit rempli de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, c'est le commencement, alléluia, de la sagesse. Prions le Seigneur. Oui, Saint-Esprit, je veux ce midi, je n'ai pas de l'or, je n'ai pas d'argent ce midi, mais je te prie ce midi de me rassasier, rassasie mon cœur dans la crainte de l'Éternel, faire la volonté de Dieu, accomplir les desseins de Dieu, accomplir d'abord le but de Dieu, le mandat de Dieu dans mon cœur. Saint-Esprit, je t'en prie ce midi, rassasie mon cœur, mets le Seigneur, l'appétit dans ma vie, l'appétit des craintes de l'Éternel, l'appétit de marcher dans l'intégrité, l'appétit de marcher dans la nouveauté de vie. Saint-Esprit, je t'en prie ce midi, remplis mon esprit, rassasie mon esprit à pouvoir adorer, à pouvoir célébrer, à pouvoir marcher dans la nouveauté de vie, avoir la crainte de l'Éternel, que la crainte de l'Éternel s'empare de moi, que la crainte de l'Éternel me soit ravitaillée au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je veux ce midi rassasie mon cœur et que je marche dans la tête haute en disant, je suis un enfant de Dieu, je ne veux pas tomber, je ne veux pas succomber, parce que celui qui me tient, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te prie ce midi de me rassasier, la soif de Dieu soit dans ma vie, et que je puisse méditer la parole, et que je puisse manger la parole, et que la parole soit ma première nourriture, et que la sainteté de Dieu me soit donnée pour ce midi au nom puissant de Jésus, et que la crainte de l'Éternel et que la plénitude de Dieu me soit donnée dans chaque caractère, dans chaque conduite, dans chaque comportement de ma vie, dans le nom de Jésus, enfin que je puisse dire, mon billet est assuré dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, rassasie mon âme, rassasie mon cœur ce midi dans le nom de Jésus, rassasie-moi ce midi, parce que toutes choses passeront, mais ta parole ne faillira jamais, ta parole subsistera éternellement au nom de Jésus. Tendre Père, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, rassasie mon esprit en marchant dans la nouveauté de vie, en marchant dans la crainte de l'Éternel. Je veux marcher dans la crainte de l'Éternel, même si je suis tout seul, même si je suis au fin fond du village. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, et que je puisse être rassasié de la sainteté de Dieu, parce qu'il s'agit donc de la sainteté de Dieu. Jésus-Christ viendra pour chercher son église qui sera sainte. Alléluia. Je te prie ce midi, Saint-Esprit de Dieu, commence à mettre la sainteté. Et que je sois rassasié de la sainteté, et que je sois ravitaillé de la sainteté dans la nouveauté de vie, dans ma marche, dans le nom de Jésus. De maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas dire ce midi, alléluia, tu vas dire ce midi, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Mais bien aimé, c'est le Consolateur qui nous aide, alléluia, à pouvoir garder la sainteté. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, je veux que mes oreilles, je veux que ma bouche, je veux que tout ce qui est à moi puisse avoir la vie, alléluia, la vie divine dans le nom de Jésus, pour que mon alliance soit bien traitée, pour que mon alliance soit bien gardée dans le nom de Jésus. Alléluia, prions le Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je prie ce midi et que mes oreilles et que tous mes membres du corps soient réellement dans la vie de Dieu. Je te prie ce midi et que mon âme puisse vivre en Christ et Jésus, et que je sois traité, alléluia, d'une alliance éternelle dans le nom de Jésus, afin que je puisse posséder mon billet de maintenant et à jamais. Oui, je t'en prie ce midi, Saint-Esprit. Je te prie ce midi, je te donne mes oreilles, je te donne mes mains, je te
donne mon cœur, je te donne tout ce qui est en moi et que cela puisse vivre. Vivre, Seigneur de gloire, dans la source de l'eau vive, dans le nom de Jésus. Et que je sois traité, alléluia, avec une alliance éternelle, dans le nom de Jésus. Et que mon alliance ne soit jamais rompue. Et que mon alliance ne soit jamais interrompue. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie ce midi. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie en ce jour. Je veux ce midi. Et que mes oreilles, et que tout ce qui est à moi, mes mains, tout ce que je possède, puisse avoir la vie sauve. Au nom de Jésus. Ah, je veux ce midi. Je veux ce midi. Et que tu m'utilises puissamment dans le nom de Jésus. Et que je puisse garder réellement mon billet favorablement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu maintenant, « Oh mon Père, alors que je me tiens devant ta présence ce midi et que mon billet, alléluia, ne soit jamais, alléluia, un billet archaïque, un billet en lambeaux et que mon billet soit réellement renouvelé à tout moment au nom de Jésus. » Alléluia, prions le Seigneur. Tendre Père, il s'agit donc de notre billet, il s'agit donc de notre salut, donc il s'agit donc de notre foi et que je puisse grandir et que je puisse marcher, alléluia, avec ta parole et que mon billet soit toujours dans la valeur et que mon billet soit toujours valorisé et que mon billet soit toujours, alléluia, oh Dieu de gloire, Père, renouvelé. Je te prie ce midi, mon Père, renouvelle mon billet ce midi, renouvelle mon billet ce midi. Il s'agit donc de mon salut et que mon salut soit agréable et que mon salut soit gardé et que je puisse travailler durement et que je puisse travailler pour ta seule gloire dans le nom de Jésus. Oh mon Père, je viens ce midi, Seigneur, et que ma famille soit sauvée et que mes enfants soient sauvés et que ma nation soit délivrée au nom de Jésus. C'est qui, Seigneur, qui traîne encore, Seigneur de gloire, Père, dans la boue du péché, qui puisse venir aux eaux, alléluia, de pouvoir être nettoyé, lavé, restauré, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent posséder aussi leurs billets puissamment dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie ce midi, manifeste de ta grâce, manifeste de ton amour, parce que Seigneur, je sais que la fleur va tomber, oh, je sais que l'herbe va sécher, mais Seigneur, ta parole restera éternellement. Je t'en prie ce midi, je t'en prie ce midi, oh Dieu de gloire, Père, je veux que le billet, Seigneur, soit restauré. Le billet soit valorisé, mon billet soit, Seigneur de gloire, Père, renouvelé dans le nom de Jésus. Ma foi soit renouvelée, mon intimité soit renouvelée dans le nom de Jésus, de maintenant et à jamais, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors tu vas dire à Dieu de te garder fidèle à lui. Alléluia, afin que tu puisses toujours garder ton billet, alléluia, qui est valable, qui est réellement un billet, alléluia, que tu vas hériter le royaume. Tu vas dire à Dieu, garde-moi fidèle à toi, garde ma vie, garde mes enfants, garde ma nation, garde la tour de prière semeur, et que tous ensemble nous soyons enlevés avec gloire, avec joie, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur.
Alléluia, tendre Père, nous voici devant toi ce midi. Nous voici devant toi ce midi. Voici donc ces chants, Seigneur. Ce n'est pas un chant, c'est une déclaration, Seigneur. Je veux que tu puisses me garder fidèle à toi, afin que je puisse, Seigneur, garder, Seigneur, tes préceptes, afin que je puisse garder tes ordonnances, afin que je puisse garder, Seigneur, ton alliance. Je te prie ce midi, ô tendre Père, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de quoi, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, parce que tu as donné ton fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je te prie ce midi, Seigneur, de me garder fidèle à toi. Je te prie ce midi de garder ma nation fidèle à toi. Je te prie ce midi de veiller, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu, pour ma foi. Je te prie ce midi, garde-moi fidèle à toi, Seigneur, et que je ne sois pas, Seigneur, ô Dieu, Père, dans l'abîme, et que je ne sois pas, Seigneur de gloire, Père, succombé, ô Dieu, Père, aux choses du monde. Seigneur, je te prie ce midi, garde-moi fidèle à toi. Lorsque tu me gardes, assurément, je suis bien gardé. Lorsque tu gardes ma vie, Seigneur, assurément, Seigneur, ma vie est protégée convenablement. Oh, je te prie ce midi, oh, garde ma foi fidèle à toi. Garde mon intimité fidèle à toi. Garde ma maison ce midi. Garde, Seigneur, la nation, Seigneur, que tu as sauvée. Garde ceux-là encore qui ne sont pas dans cette bergerie, Seigneur. Oh, Dieu, ceux qui sont tes enfants, Seigneur, je te prie ce midi de pouvoir garder tout en chacun. Je te prie ce midi, Seigneur, de nous garder fidèles à toi, Seigneur. Il s'agit donc, Seigneur, de tes enfants. Il s'agit donc de ta famille. Il s'agit donc de ton troupeau, Seigneur, de ton pâturage. Il s'agit donc de nous. Je te prie ce midi, tendre Père, garde-nous fidèles à toi. Garde ton église. Garde, Seigneur, de gloire, Père, ton assemblée. Garde, Seigneur, de gloire, Père, tes saints. Garde tes élus, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, par ta parole, par ta main puissante, Seigneur, et que nous soyons, Seigneur, à l'ombre du Tout-Puissant, et que nous soyons sous l'abri du Très-Haut, et que nous puissions demeurer, Seigneur, de gloire à tes ailes, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi de maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sauve ton peuple ce midi, Seigneur. Sauve ton peuple ce midi dans le nom de Jésus. Nous t'avons si prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Dieu, alléluia, se manifeste encore davantage dans nos vies et qu'il puisse nous arroser par la source de l'eau vive qu'il possède et que Dieu puisse nous arroser davantage. Prions le Seigneur. Oui, tendre Père, nous voici devant toi ce midi. Nous voulons que tu puisses nous arroser parce que tu es la source de l'eau vive, parce que tu es la source intarissable. Nous voulons ce midi que nous soyons ravitaillés, que nous soyons arrosés par ta parole, par ta bienveillance, dans le nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, la personne qui n'arrivait pas, Seigneur, à marcher, la personne qui est boitée, la personne, Seigneur, qui est aveugle, la personne qui n'a pas, Seigneur de gloire, Père, le discernement, qui puisse avoir le discernement, qui puisse voir, Seigneur de gloire, Père, ô Dieu clair dans ses yeux, ô Dieu spirituel, la personne qui est aveugle, Seigneur de gloire, Père, qu'il puisse voir, Seigneur clair, dans le nom de Jésus, la personne qui est boitée spirituellement, Seigneur, qu'il ne soit plus boitée au nom de Jésus. Seigneur, je te prie ce midi et que nous soyons arrosés par la pluie et par la source de l'eau vive, dans le nom de Jésus. Bénis toute personne, Seigneur, ici présent. Bénis ceux-là qui vont écouter aussi, Seigneur, cette vidéo. Ô Dieu Père, en différé, je t'en prie ce midi, ô tendre Père, et que nous puissions posséder chacun de nous notre billet, Seigneur, d'embarquement, notre billet, Seigneur, du voyage, notre billet, Seigneur, de gloire, du salut, dans le nom de Jésus. Bénis ce moment, bénis, Seigneur, de gloire, Père, notre journée, notre le reste du journée, entre tes saintes mains, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons si prié avec action des grâces. Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs, que la paix du Seigneur vous donne la joie de vivre, alléluia, dans la crainte de l'Éternel des armées. Soyez bénis, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette, alléluia, de cette session. Alors, je vais juste vous demander, ceux qui sont là pour la toute première fois, de se présenter en mettant le chiffre 1. Nous allons,
Alléluia, vous accueillir toute l'église, toute la maison de prière, toute la famille de Dieu. Amen. Mettez le chiffre 1 et mettez la ville là où vous êtes, mettez le pays, le nom du pays à côté et nous allons vous dire un grand shalom. Un grand shalom veut simplement dire la paix du Seigneur soit votre partage. La paix de Dieu, l'amour de Dieu, le bonheur de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit réellement dans vos vies. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc nous allons nous retrouver aujourd'hui à partir de 22h30, 23h avec la prophétesse pour la guerre de minuit. Que le Seigneur vous bénisse richement, richement, richement. Je vous souhaite alors une excellente journée glorieuse dans la présence de notre Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Avant de quitter, si vous pouvez vous abonner, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, et si vous pouvez aussi aimer la vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes ensemble, on est ensemble, nous sommes une famille. Que le Seigneur vous bénisse et je vous aime dans l'amour du Seigneur. Recevez les salutations de la prophétesse. Amen, amen. Parce que normalement, c'est elle qui devait le faire, mais étant donné que je suis là, donc j'ai dit, voilà, je peux le faire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni et à très bientôt. Shalom, 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 shalom. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et à très très bientôt. Shalom. Voilà donc, il y a aussi l'adresse de l'église. Je vous mets l'adresse de l'église. Voilà, première rue, Fernand Renault, zone de la Porte, Paris 91, 1100 Corbeil-Essonne. Et nous sommes là le vendredi à partir de 18h. Et le dimanche, nous avons deux cultes. Que le Seigneur vous bénisse. Monde, sois béni pour ton offrande pour ce midi. Sois béni, sois béni, sois béni. Que le Seigneur ouvre des portes de richesse dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans ce soir à partir de 22h30. Que le Seigneur vous bénisse. Il est le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.